Salut mes chers amis. Vous-même, vous savez que je suis toujours derrière vous. Donc, on va faire une petite conversation. Ouh là là, il fait noir. Parfois, j'aime vous parler comme les enfants, mais après, ils me disent que je dois vous parler comme les adultes. Les adultes spirituels. Oh, yes, Seigneur. Donc, je vais essayer de vous donner une conversation mature. Ok? All right. Vous êtes prêts? D'accord. Tout ceci aura bientôt un sens. Ok? Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes tombés sur mes vidéos que ça vous a activé. Ok? Et de plus en plus, vous commencez à comprendre. Le degré dans lequel vous êtes en train d'entrer, vous savez que je vous annonce toutes mes choses, non? Vous allez commencer à voir ce qu'on vous a fait. Vous allez commencer à voir comment on vous a bloqué. Certains d'entre vous, vos parents ont utilisé vos étoiles pour s'enrichir. Et avant, tu voyais ça dans les rêves, mais tu te disais, mais c'est ma mère, mais c'est mon père. Maintenant, ce sera clair. Tu ne vas plus essayer de prétendre. Parce que tu vas les connaître en plein jour. Ils vont te connaître en plein jour. Bonsoir. Et beaucoup de ces personnes connaissent ce que vous deviez devenir depuis longtemps. Ils vous ont bloqué. Écoutez-moi bien. Vous savez que moi, quand ça me pique, je vous dis mes choses. Je vous dis. Parfois, tu vas tomber dans la rue sur quelqu'un. Va te dévoiler tout sur toi. Tu vas regarder ça. Tu vas dire, hey, comment tu connais ma vie? Parfois, tu vas tomber sur mes vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de me parler. Ne me parlez pas physiquement. Quand je me connais, je ne me parle pas physiquement. Je ne suis pas dans l'esprit comme quand je te parle sur la vidéo aussi. Tu vois, à 3 heures, quand tu n'arrives pas à dormir là, même mes vidéos, tu écoutes. Les gens que vous payez les consultations, vous venez me parler bizarrement là. Vous amusez pas avec moi. Hein. Vous amusez pas. Comme un bouge là, ne vous insultez jamais. C'est pas parce que vous êtes venu pour te payer 100 euros. Dès que ton argent a touché ma poche, ne te dérange pas. Je suis en train de combattre les démons qui sont en train de te déranger là. J'ai une dame que elle revient aujourd'hui. Elle me dit que ça fait 2 mois qu'elle est venue. Elle a attendu 2 heures. J'ai dit qu'elle ne peut pas la consulter. Ça ne dit pas, lave-toi avec. Après, elle revient aujourd'hui, elle passe par une autre personne. Elle paye la consultation. Elle m'écrit. Je lui dis, ma chérie, si elle me sent, elle va te consulter. Si elle ne me sent pas. Parce qu'il y a trop de combats. Trop. Combien d'entre vous, vous me voyez chaque jour chez vous? Après, elle vient comme elle dit, non. En tout cas, ce n'est pas professionnel. Si vous, je ne suis pas professionnel, vous avez compris. Je ne suis pas professionnel. Parce que le professionnel n'apparaît pas dans tes rêves pour taper les gens. Le professionnel ne vient pas dans le rêve pour enlever les choses sur toi. Donc, si vous m'approchez, sachez qui vous venez. C'est qu'elle vous dit qu'elle va vous trouver dans vos rêves. Je vais vous fouetter dans vos rêves. Je vous avertis en avance. Voilà. Même les Béninois qui sont sur ma page là. Vous devez comprendre que vous êtes dans une autre dimension. Seulement le fait que vous écoutez mes vidéos,
Seulement le fait là, je guéris par la parole. Il y en a que le chat qu'on t'avait attaché, on t'a mis dans le cercueil. On t'a mis dans le cercueil. Le chat que la fille, si, elle est bloquée en France. C'est ton cadavre qui va te retrouver seulement à Bafoussam un jour. Te voilà aujourd'hui. Je vous ai dit, si vous êtes sage, si vous pouvez envoyer l'argent au Burkina Faso, c'est votre problème. Vous connaissez là où je suis. Donc si vous pouvez envoyer votre argent aux gens là, parce qu'ils vont venir vous proposer des consultations moins chères, partez, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas moi sur ça. J'ai une de mes représentantes qui a dit à quelqu'un sur la page, il sera que je suis trop cher. Elle a donné le contact d'une autre personne. Et cette femme qu'on a dirigée vers une autre personne me voit encore dans son rêve. Elle revient vers moi. Je dis que ma chérie, tu voulais le moins cher, non? Quand vous dites que je suis cher, vous, tu voulais le moins cher, non? Va finir avec eux, ne passe pas là où je suis. T'as canon. Vous êtes en pleine guérison. Je sais ce que je suis appelé à faire dans notre génération. Hein. Je suis là pour vous réveiller. Je suis là pour vous guérir. Je suis là pour vous réveiller votre étoile. Si vous n'avez pas encore compris l'autre là. Si vous n'avez pas encore compris l'autre là. Quand quelqu'un vient maintenant, rembourse-moi. Je reste au sol là, je dis, eh, Seigneur, je rembourse l'argent de la fille, si elle va partir où? Oh, dame, ha? Elle va partir où? Avant de tomber sur ma page, c'est là où quoi que ce soit le hasard. Tu vois, il y a les jours, je reste comme ça là. J'ai dit que ah, peut-être ce qu'il fait, c'est aussi petit, non? Après, il me rappelle encore que n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Je suis là pour vous rappeler. Si vous m'écoutez, ce qu'il dit résonne dans votre esprit. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Vous sortez d'une bataille. Il y en a parmi vous. J'ai soigné un jeune homme ce week-end. Il est venu comme ça là. Oh, comme ça là. Il venait visiter son frère. Il arrive. Voilà, on faisait les baptêmes le jour là. Monsieur entre dans l'eau de baptise. Maman. C'est moi ma petite piscine que j'ai à la maison là. Oh. Je parle, le gars commence à faire comme ça. C'est comme ça qu'on enlevait les flèches dans son corps. C'est comme ça qu'on enlevait les flèches dans son corps. Tu prends un goutte d'eau, tu verses sur son corps. Ah, il fait comme ça qu'on avait les flèches sur lui. C'est après qu'il me dit que sa grand-mère, c'est l'une des plus grandes pratiquantes d'un pays que je ne nommerai pas. La grand-mère l'a toujours mis au devant de ses pratiques. Quand elle travaille sur les gens, elle appelle, viens, prends ça, mets là-bas, dépose là-bas. Souvent, il dit qu'il y a des joueurs, elle envoie avec un seau de pièces de 500 francs. Elle dit, va dans tel carrefour, tu verses à 3 heures. Il part, il verse. Il revient à 6 heures, il ne voit même plus une pièce. Le genre de mecs, grand-mère, bien sûr, elle a utilisé pour son fils. Après, par les fils de ce fils. Vous allez commencer à comprendre que votre vie, c'est le film. Vous voyez l'histoire de Joseph, là, comment on dit que Joseph... Allez encore lire l'histoire de Joseph. Certains d'entre vous, hein, allez mettre le film de Joseph, vous regardez vos enfants. Ou le dessin animé de Joseph. Vous allez dire, ah! C'est moi, ça. Même le père de Joseph était contre Joseph. Quand il dit qu'il a rêvé, qu'il les a vus s'agenouiller, son père lui-même a dit, donc tu vas venir nous dominer. Il y a certains de vos pères qui n'acceptent pas que vos étoiles vont dépasser pour eux. Écoutez, c'est pas parce que l'homme l'a mis de sperme dans le ventre de ta mère. Mon père ne peut pas me... Mon père, c'est mon père.
Continue. Chaque fois que tu as un gars, tu appelles ton père, tu dis, ça va pas, la relation ne va pas faire un mois, ça va se gâter. Soit le père la connaît à qui il t'a donné un mariage dans le spirituel. Soit il connaît là où il est parti vendre ton mariage dans le spirituel. Soit lui-même c'est ton mari. Et je vous dis comme ça, il y a un jour que vous dites, dans le rêve, vous avez dit depuis longtemps. Tu restes sur ça là. C'est comme si tu as une révélation dans ton cœur. Après, tu dis, ah, c'est mon père, non. Ok, il faut se le jeter. Certains d'entre vous, tu ne sais pas pourquoi. Tu as toujours eu l'idée de fuir votre maison. Quand tu arrives en Ben, tu étais heureuse parce que tu savais que tu étais finalement quittée sous les regards. Ton esprit t'a toujours dit. Tu caches, tu caches, tu caches. Dès qu'il découvre la chose, ton business, elle va tomber. Même Ben, tu as fui en cachette. Si tu ne le disais, c'est que tu n'es pas arrivé en Europe. Si tu finis avec les kits, kits de blocage, kits, tout ça là, le reste des jours, tu ne jeûnes plus. La particularité, c'est que tu ne jeûnes plus. Tu continues d'utiliser les produits jusqu'à ce que ça finisse. Excusez-moi. Tu arrêtes le jeûne, tu continues d'utiliser les produits jusqu'à ce que ça finisse. Maintenant, si tu as acheté deux kits ou trois kits, si tu as fini avec le premier kit, tu arrêtes tous les produits, tu quittes là, tu prends le deuxième kit. Il y a des gens, il y a un autre qui m'a dit l'autre jour que ses deux parents sont décédés. Il est très spirituel déjà lui-même. Il a d'abord pris un kit. Dans le rêve, son père vient lui dire d'autres, le kit qu'il doit prendre après. Écoutez, hein. Je ne veux même pas vous. Vous voyez que souvent, je fais même souvent une semaine, pas de mes produits. Si tu veux, tu achètes, tu veux, tu l'achètes pas. Tu as compris? Tu as compris? N'achetez pas. Une fille, l'autre jour, elle me fait un message ce matin. Vraiment, reine mère, était vu dans le rêve. Tu es venue me dire que je dois prendre tel produit, le donne-moi tout avec. Tel parfum, je ne sais pas trop avec quoi. Elle a parlé de trois produits. Oui, je pleure. Et je dois faire le lavage. Voilà, tu dois me laver, moi et mon gars. Il y a un, c'est ça. Dès que vous commandez, vous m'écrivez, je vous donne le prix de la consultation du lavage. Je commence à dire, ah, je n'ai pas l'argent là. Mais ne t'inquiète pas, va rester avec tes problèmes. Quand la femme l'a fait pour qu'elle la rembourse, j'ai dit que mamie, ce n'est pas tous les démons. Il y a certains de vos démons là qui disent que tu me donnes tes démons pour 50 000. Ma chérie, reprends ton argent, reprends avec tes démons. Go! Quel jour est dans ta famille depuis trois générations? Vous savez pas qui vous amusez. J'ai les jours où je reste couché jusqu'à même 11 h. Parce qu'il y a une dimension de démons là que vous avez amené, seulement vous avez dit que wow, voilà, j'ai pris le travail, il me retrouve. C'est ça qui dit que tu n'as pas besoin de finir les produits d'un kit pour commencer l'autre. C'est que dans ton traitement, il t'a dit que tu as besoin du kit, peut-être fondation, après kit déblocage. Dès que tu finis les 3 jours de fondation ou les 7 jours, selon ce que l'esprit t'a mis à cœur de faire, tu arrêtes les produits là. Tu pars maintenant prendre déblocage, tu commences. Vous êtes en train de passer une étape maintenant de lucidité. Vous êtes en train d'entrer dans un moment où l'esprit va commencer à vous montrer ce qu'on vous a fait. Et quand il vous montre, ce n'est pas pour que vous ayez vous pleurer. Vous allez devenir Kofi Gombo. No pity. Maman.
Waouh. 9 mois et 9 jours plus tard, ton fils est décédé. Ils font tout ça pour que pour vous faire croire qu'ils sont incontournables dans votre vie. Le kit fondation, hein, quand j'ai conçu le kit là, écoutez-moi bien. J'ai tous mes produits, j'ai d'abord testé sur moi-même. Je connais d'où je sors spirituellement. Je connais ce que j'ai traversé. J'étais bloqué jusqu'à. Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui sont assis dans leur maison, ils sont en train de regarder ma vidéo. Ils sont en train de me regarder. Et ils savent le blocage qu'ils ont mis sur moi avant. Je suis revenante. Je suis. Éliké. Tu vois, quand on te bloque jusqu'à le blocage, lui-même dit que ouais, c'est bon, non? Oui. Et te voilà dans une vie. Tu surmontes tous les blocages là. Quand tu commences à accomplir ta destinée. Et tu accomplis ta destinée. Oui. L'école spirituelle, on commence demain plus tôt. Je vous dis. J'avais les dernières instructions qu'il devait me donner. J'ai voulu lancer ça lundi passé. On m'a donné. Donc, je suppose qu'il y a certaines personnes qui doivent rejoindre ce soir. Je ne connais pas. Les instructions qu'ils m'ont données sont les suivantes. Premièrement, il n'y a pas un prix fixe. Mais ce n'est pas pour les gens qui sont pauvres. Si tu viens, tu me donnes 5 000 francs. Je vais te chasser. Oh, you are. Si tu penses que tu viens pour recevoir des instructions, pour activer tes pouvoirs, et tu vas venir donner 5 000, l'argent que tu peux dépenser en une soirée, peut-être pour boire. Excuse ma vie. Deuxièmement, je vais continuer avec les gens qui ont déjà, qui travaillent, c'est-à-dire qui sont conscients. La semaine passée, j'ai donné les devoirs. Brandon Ballet, je n'ai pas le temps de dealer avec TikTok ce soir. Les gens de TikTok, c'est un peu en retard par rapport aux gens de Facebook. TikTok, parfois, TikTok sont un peu en retard. Il y a des jours, je ne veux pas dealer avec TikTok. Oui. TikTok, c'est des enfants. Ils m'embêtent un peu là. Ils me font des bêtises. Il y a des jours, j'ai mes plateformes. On dit que parle sur Facebook. Je parle moins que sur Facebook. Voilà. Et je vais faire des vidéos, mais que sur YouTube. Il n'y a pas ça ici, là. Je vous dis de partir vous abonner sur YouTube. J'ai dit partez sur YouTube. The Give Digger Academy. J'ai des vidéos là-bas. J'ai des messages clairs là-bas. Bon, ça, c'était pour vous là-bas. Deuxième instruction, vous devez être obéissant. C'est-à-dire, je ne veux pas les gens paresseux. Que j'ai donné le devoir mercredi passé, je pense. Je n'ai eu que peut-être 40% des personnes qui m'ont répondu. Si vous êtes le genre que vous ne prenez pas votre appel au sérieux, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez dans une autre vie pour faire. Mais dans la vie, si vous n'allez pas perdre mon temps, parce que j'ai des choses à faire. J'ai des choses à accomplir. Et je peux bosser avec les gens qui veulent les accomplir. Troisième, j'ai donné un questionnaire pour savoir quelles sont vos motivations. Pourquoi vous voulez faire cette formation? Là-dedans, j'ai même des questions que j'ai posées là-dedans par rapport à vos pouvoirs. Vous devez être conscient que vous avez des pouvoirs. N'entrez pas dans la formation seulement parce que je vous préviens, je pense que ce sera l'une des rares formations que je ne vais pas mettre de mon temps dessus. Généralement, mes formations, je mets les 500 euros. On sait que ça fait le tri. Je sais que tu ne peux pas prendre 500 euros pour aller payer pour apprendre quelque chose qui va t'aider. Tu laisses. Tu laisses Kohora. Continue d'être bloqué là-bas. Tu restes dans ton boulot de 9 h à 17 h. Voilà. Et ceux qui ont fait la formation, vous allez aussi acheter des objets spirituels. Vous aurez besoin de bâtons de commandement, de chapeaux et de bracelets. Donc, si vous n'êtes pas prêt, écoutez, ne venez pas. Bonsoir, Audrey de Bafoussam. Beaucoup des membres de votre famille, ils vous ont couvert,
vous ont bloqué, vous ont ralenti. Quand tu partais en vacances chez eux, il faisait comme s'il t'aimait beaucoup là. Ce n'était pas de l'amour. Tu as une tante que quand tu partais chez eux en vacances, elle t'amenait, elle te donnait tous les trucs de bois. C'était quand tu arrivais qu'on disait qu'on partait faire le blindage. Hmm? Tu vois, c'est pourquoi? Il y avait les tantes que ton père voulait t'aider et que tu les refusais. L'esprit va te montrer comment elle refusait, comment elle manipulait ton père. Il y a différents bracelets. Voilà même un nouveau que j'ai créé aujourd'hui. Moi, j'ai créé toutes vos choses là. Ah, c'est pour protection contre les yeux maléfiques là. Écrivez en inbox ce soir pour la formation. Soyez sûr que demain soir, maximum à 18h, que j'ai reçu votre argent. J'ai reçu vos réponses. Et bracelet et tout ça, on va vous poster. On va vous poster ça. Je vous ai donné le numéro 00237. 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Ok. Ce que l'esprit me dit aussi de vous dire, c'est que vous êtes en train d'entrer dans une période de votre vie où les choses vont s'accélérer. Donc, l'autre jour, j'ai bien dit, vous avez déjà brisé les malédictions. Mais dans les choses vont s'accélérer, comment? Beaucoup d'entre vous, il y avait des blocages familiaux parce qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient des œils avec lesquels ils vous observaient. Beaucoup d'entre eux aussi, ils manipulaient votre étoile. Beaucoup d'entre eux même voulaient vous tuer. Ouais, je vois deux, trois d'entre vous, on avait essayé de vous tuer. Mm-hmm. Je t'ai même cassé une dent. Je suis à Libreville, je ne suis pas à Douala. On avait essayé de vous tuer. Pour d'autres, on essayait de... Par exemple, moi, là, la danse, là, est artificielle. Celle-ci. Celle-ci, chez moi, c'est la prothèse. Parfois, tu restes au salon, tu étais petit. Quand tu étais petit, tu as une folle idée. Quand va te mettre là-bas, tu sautes. Tu pars, tu sautes, tu comptes ta tête, un genre que tu as failli mourir. Ça venait d'eux. Il y en a, c'est quand j'étais en vacances chez une de tes tantes là. Que tu avais failli mourir. Donc, message pour vous. La raison pour laquelle vous sentez le mot formation spirituelle, c'est parce que vous devez commencer à prendre la bataille dans laquelle vous êtes au sérieux. Vous devez commencer à... Il y en a qu'on avait décidé qu'on ne devait pas vous marier. Voilà l'esprit de suicide. Il y en a parmi vous... on a bloqué votre mariage. Parce qu'ils savent que dès que tu vas te marier, là, ça va te passer dans une autre dimension spirituelle. Je vois en fait quelqu'un qui se marie et ça fait s'ouvre comme un popcorn. C'est pour ça qu'ils t'ont beaucoup combattu. Et maintenant, on m'a dit, que les travaux spirituels que tu as fait depuis quelques temps, et ces travaux-là ont déjà bloqué les ouvertures par lesquelles ils entraient pour t'affecter. Donc, il faut que tu sois prêt. Parce que dans les 3 prochaines semaines, ça va s'accélérer. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer un homme qui est aussi spirituel que vous. Mais au départ, tu vas le simplifier.
Nadège Sawadogo, tu as fait le bain de sel et je suis apparu dans ton rêve. Où j'ai apparu, où je suis apparu, où. Le français était bizarre, on le tord comme on peut. So appear in your dream, ok? Ça c'est sûr que je suis quand même venu pour te guérir, ça c'est sûr. Tu ressens que tu as besoin de moi. Hein? Et vous en prie, lavez-vous avec le sel. Faites votre travail. Vous allez voir dans 5 mois comment votre vie sera. Vous allez rester comme ça, vous allez dire que mince. Donc, vous pouvez arriver à un niveau où je ne doute plus que ma bénédiction arrive. De pouvoir arriver à un niveau où je suis sûr de moi. C'est ça que c'est le niveau là dans lequel tu es en train d'arriver. Bon, je continue mon message. Et si c'est la parole de quelqu'un, attrape. Parce que beaucoup d'entre vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Maintenant, ils me disent beaucoup de choses de vous dire. Et quand je vous dis, ça résonne avec votre cœur. C'était les choses qu'on vous a dit dans le rêve. Je vois quelqu'un carrément qu'on t'a beaucoup enseigné ce matin. Tu t'es levé, tu as tout oublié. Donc parfois, ils me pressent. Comme ça, que va parler, va dire ça, va dire ça. Je dis comme ça, c'est les choses qu'on t'avait dit dans le rêve. Et la façon de savoir ça, ça résonne dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais quand il dit ça, ça te... Tu vois un peu. Tu ne sais pas pourquoi ça te... Bonsoir la reine Lingok. Quand tu viens de me découvrir là, hein, tu vas te laver avec le sel ce soir avant de dormir. Tu te laves d'abord avec le savon, tu te rinces, tu mets le sel dans l'eau. 3 pincées de sel ou bien 1 cuillère à café de sel dans l'eau. Tu lis le psaume 35 sur ça. Tu te laves. Ok. Je suis là pour restaurer ta vie, ma chérie. Ne me vois pas comme je suis petite comme ça là. Je sais qu'on me simplifie beaucoup. Ça me plaît. Et une période où vous allez commencer à beaucoup. Tu vas te retrouver sur le milieu des gens, tu vas parler. Tu vas dire, mais j'ai même pris ça où? C'est les enseignements qu'on t'a donnés dans le rêve. C'est pour ça que ce qu'ils me disent de vous dire qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on vous donne dans le rêve. Quand vous voulez, vous n'avez pas oublié, c'est seulement gardé quelque part. Vous avez suivi. Le moment venu, tu dis, mais oui, je connaissais ça. Ok? Dans le spirituel, on ne s'inquiète pas. On dit toujours que tout se passe pour moi au bon moment. Everything happens to me at the right time. Always. Everything always happens at the right time. Ok? Everything always happens at the right time. Et quand tu dis comme ça, là, ça active encore tes pouvoirs. Bonsoir, Minel, pour la première fois. Oui, après tu peux faire le lavage avec l'équipe. Après le lavage de coutume. Il y a beaucoup de bracelets. J'ai les nouveaux bracelets. Et j'ai aussi les pendentifs de protection, là. Ces pendentifs de protection, si vous arrivez à Douala, vous commandez, c'est à Douala pour le moment. Vous dites que les pendentifs de protection, c'est noir. Maman, il est venu sous forme d'un star, il t'a violé, il est mort le lendemain. Je suis arrivé à Douala, j'ai tous les savants partis. J'ai béni les... j'ai béni les couronnes, tout ça. Donc... ne dites plus que vous ne partez pas acheter parce qu'on n'a pas béni.
Arrêtez d'essayer de vous souvenir de vos rêves. Ouais, Seigneur. Vos enfants se sont trop têtus. Quand se lève le matin, tout ça part, mes rêves, mes rêves. Mamadou, si tu as essayé le sel, c'est bien. Bon, je continue ce que je vous disais. J'ai un message clair à vous donner ce soir. Vous allez voir, on va commencer à vous montrer ce que vos ennemis vous ont fait. On va montrer leur visage aussi. Vous allez identifier. Certains d'entre eux, ils n'osent pas avouer votre... Ils commencent à voir que l'argent en a vos poches. Et ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas se rabaisser pour avouer que vous aviez raison. Ils ne veulent pas avouer que vous aviez raison. Et vous allez les identifier. Maintenant, ils me disent de vous dire qu'ils vont vous montrer ça. C'est pour que vous arrêtez de repartir vers eux. Cherchez leur approbation. C'est pour que vous arrêtiez de les détester aussi. Bonsoir la reine Isabelle. Ne t'inquiète pas la reine Isabelle. Tu n'as pas besoin de dire que tu es traitante. Tu as compris. Ce qui est pour toi restera pour toi. Tu as compris. Et ça, j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup de personnes qui sont jalouses de ce que je fais. Je sais qu'il y en a qui ont même détourné certains de mes clients. Mais je suis restée toujours zen dans le sens où je sais que ce qui est pour moi vient toujours à moi. Et ce qui est réellement pour moi m'attend toujours. Toujours. La voyance, c'est quelque chose qui est tellement délicat. Si vous saviez les risques, vous ne courriez même pas pour aller prendre les clients des autres personnes ou bien pour vous mettre en avant. Parce qu'au bon moment, ils vont vous inspirer à faire une bonne chose, l'action idéale pour vous amener à la prochaine étape. Parce qu'on ne marche pas seul, on ne travaille pas seul. 24 sur 24, on a toujours des gens avec nous. Anges gardiens, ancêtres, il y a tellement de personnes. Donc, le premier travail de chacun d'entre vous, c'est d'être conscient. Je n'ai aucun compte de reine. Je n'ai pas de compte personnel, je n'envoie pas les demandes à quelqu'un. Vous avez suivi. Parce que vous voyez Ibiza qui dit qu'on lui envoie une demande. Je n'envoie pas les demandes à quelqu'un. Donc si vous partez, on vous escroque. Vous avez dit que vous ne vous lavez pas avec le sel. Ils vont m'aller dans mon compte personnel, prendre mes photos pour les mettre là-bas. Je n'ai pas le temps pour faire des messages personnels aux gens, je vous dis. Je n'ai pas le temps. J'ai trop à faire. La prochaine fois qu'on va venir vous approcher, je dis que c'est moi. Donc, tu as rêvé, Nicole, tu as rêvé que j'indiquais les médicaments aux malades. Oui. J'ai beaucoup de rêves prémonitoires que les gens me disent. Naël, n'essaye plus de leur parler pour ta famille. Tu as compris? Ils connaissent qui tu es, Naël. Le problème avec les membres de votre famille, c'est que vous avez des oncles et des tantes. Surtout ceux qui détenaient la richesse. On me dit de conjuguer bien ces verbes-là. Parce que vous allez devenir les prochains piliers de vos familles. Et il y avait des gens dans votre famille qui étaient partis vendre les neveux et nièces. Je pèse bien mes mots. Kana Wissa, ça veut dire que si tu rêves que tu es au pays, premièrement, tu as fait le kit de fondation. Deuxièmement, tu as les rites à faire au village aussi. C'est-à-dire, tu as les trucs au village qui t'appellent. Il y a des rites.
Il y a des choses dans ta fondation, dans ta dans tes racines que tu n'as pas fait. Qui fondation est-ce que tu n'as pas coupé? Donc il y en a parmi vous, vous allez devenir les piliers. Quand il dit que ça, ça a le sucre jusqu'à, c'est sucré dans ma bouche jusqu'à. Ah, au pungag. Ah, au pungag. Et où tu es? Merci la reine Sandra. On t'a parlé de la poudre de cannelle. Quand elle fait mes vidéos, vous parlez des choses, vous ne comprenez pas. Ouais, non. Tu as demandé la paix vidéo. Ouais, Seigneur. En tout cas, il n'y a que quelqu'un qui a un mauvais cœur qui va aller se faire scammer par les gens là. Écoutez. Écoutez. Vous allez devenir le pilier de votre famille. Vous m'entendez? J'ai dit pilier, c'est le mot David. J'ai dit le pilier. Ma Oli, tu as rêvé que je t'ai consulté. Tu n'es pas venu prendre la consultation, non? N'est-ce pas? Ok. En passant, j'ai ma soeur jumelle qui consulte. Elle s'appelle Marie-Blanche. La reine Colette. Oh, Pagna. Et? Je sais qu'on n'a pas lu le Badjoun. Tu m'écris en Badjouné. Alors, il y a certaines consultations que ma soeur jumelle vous prendra. Ceux de Yaoundé la connaissent bien. Ok. Je vous dis vraiment, ma soeur jumelle, on se ressemble beaucoup. Ok, Ezima, je viens de parler dans le rêve. Attendez, vous parlez des piliers des familles. Attendez, attendez. On m'a montré que toi, ta famille, là, non? Quand ta mère est tombée enceinte, les gens de ta famille qui sont aujourd'hui riches, quand j'étais encore petite, c'était le temps là qu'ils accumulaient les étoiles des gens de la famille. Vous comprenez, non? Et aujourd'hui, ce sont eux les gens les plus riches de votre famille. Le travail spirituel que vous êtes en train de faire, est en train de shift. J'entends le mot shifting grounds. Mireille Labo, tu as Bafoussam. D'accord. Tu vas contacter le numéro 00 ou tu appelles le 680. 680-71-0701. Tu vas faire le dépôt sur ça, Orange ou MTN. Et puis on va t'envoyer ça par général demain. En passant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Un de mes employés, ouais, je donne souvent son nom ici là, non, monsieur Abessolo. Il a eu une fille. Sa femme a accouché hier. Non, on le félicite. Et le bébé est bien portant. Je crois que c'est son 7e enfant. Hey, hey, la reine Colette, ne t'inquiète pas. Que t'es au bagneux, c'est pour. Yeah, pardon, ne fais pas, tu vas faire voir 11 ici là. Oh, j'ai encore mes oui, je ne parle pas beaucoup de ma soeur jumelle. Parce qu'elle avait ses situations à régler. Oui, M. Abessolo a une fille. Elle s'appelle Jocelyne Law. Elle s'appelle Jocelyne Law. Abessolo Jocelyne Law. Je vous assure. On m'a donné l'homonyme. Il n'y a pas encore d'homonyme. Amen. Amen.
Ce qu'on a rencontré, monsieur Avesseur, vous connaissez que l'homme-là est... Tu ne peux pas venir chez moi, tu racontes monsieur Avesseur, tu ne le remarques pas. Il te dit, monsieur Avesseur, il est comme ça. Et, Seigneur, il m'a donné, il dit que, il a donné un nom de Bamileke. Il a appelé l'enfant la Nyogem Abesolo. Jocelyne Lo. Je vous assure. Quand j'ai vu ça, j'étais, je dis que, hey, quand ils vont gronder l'enfant, ils vont l'appeler en Bamileke, ils vont faire comment? Mais je sais, il sait qu'il va gérer. Bon, il est aussi très marrant. Donc nous bénissons cet enfant, nous bénissons le bébé Jocelyne. Nous déclarons qu'elle sera la porte d'entrée de la prospérité dans sa famille. Nous déclarons qu'avec cet enfant, son père va construire beaucoup de maisons. Nous déclarons aussi l'ouverture financière, l'abondance, les bénédictions dans sa famille. Au nom de Jésus, Amen. Que tu aies qu'une coque, mamie. Maman a dit que c'est ma vraiment ma bombe là. Merci, grâce divine. Ibiza, envoie-moi ta photo sur le WhatsApp, sur le truc là. Je vais te faire le lavage. Personnellement. Tu dis que je t'ai dit que j'avais dû te faire le lavage perso. Ainsi la reine James. Oh oui, la griffe du lion la nuit. Bon, je parlais des piliers de la famille. Beaucoup d'entre eux, quand ils avaient 25 ans comme ça dans la famille, ils sont partis, ils ont vendu les étoiles des enfants de leur sœur. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, malgré tout l'argent qu'ils ont, ils se sentent toujours obligés de s'occuper financièrement des enfants de leur sœur. Parce qu'ils ont donné les enfants. Il y a certaines familles où on a vendu le mariage de toutes les filles. Quitte fondation, on vous poste ça là-bas. On va poster les choses à Paris demain. Ok, Ras Mata. J'étais consulté, il était dit que. Ok. Il faut prendre la consultation alors. La reine Mireille, reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Et ces personnes, savent que maintenant vous connaissez. C'est un peu comme si le bâton de commandement va vous être passé maintenant. Vous. Bracelet, les sept chakras. Non, la reine. Attends un peu, je regarde. Donc, comme je disais que le bâton va être passé. Tu vas voir en 6 mois, tu vas te marier. Tu vas ouvrir ton business, le chiffre d'affaires va augmenter. Ton mari aussi va upgrade, il va avoir la promotion.
Voilà la femme là qui est en train de m'insulter maintenant dans les messages. Alors qu'à 14 h, tu me suppliais pour le. Tu me suppliais pour le truc, pour la consultation. Vos démons là vont tous sortir, je vous connais. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Et cette même personne est venue dans me voir, ça fait combien de temps? Elle cherche à me voir depuis 4 mois. Elle est venue dans mon centre, à ma page à Saint-Eux. Un soir, en sortant d'un voyage, son démon l'envoie de venir me voir. Elle reste dans ma cour, elle attend 2 heures de temps. Je sors, je refuse de la consulter. Aujourd'hui, elle vient, elle fait comme si elle est trop gentille. Là, voilà, ces démons-là sont en train de parler. Oh, Seigneur. Quand ils vous envoient souvent, dites-leur. Dites-leur. Vos démons là, vous vous trompez de personne. Il ne trompe personne. On vous envoie avec vos. Avec vos. Que s'il te plaît, tu peux me consulter à quelle heure? Dieu a fait la fête, c'est trop longtemps. Hein. Trop longtemps. Ce qui fait que quand vous venez, peu importe la carapace que vous mettez, je vous lis à distance. Parfois, même que tu rentres chez moi, comme on m'a montré. Vous venez prétendre. Parti par une autre représentante pour venir me parler. Ne vous trompez pas de personne, je vous en prie. Allez, adressez-vous, quick. Rentrez avec vos démons, ils vont bien vous déranger. Ils vont bien vous déranger. Tu peux venir, tu veux que je t'aide et tu commences à faire tes bêtises là? Impossible. Non, pas avec. Rentre avec, ils vont encore te déranger même 20 ans. Tu vas te taper tes démons là encore même 20 ans. Quand vous voyez, j'étais vu dans mon rêve, j'étais vu dans mon rêve. Tu crois que ce n'était pas moi, c'était qui? Pour faire ça, je chill, moi, je chill. Je dis vraiment que. Et c'est moi, j'enjoue aussi ma vie, non? C'est pour ça que vous êtes nombreuses. Avec le cœur impur. Venez voir ma lumière. Même seulement 3 minutes de mon temps que t'accordes. Je te donne derrière ma lumière. Je te donne derrière ma lumière. Il y a une dame là que sa part m'a dépassée. Je ne l'ai jamais vue physiquement. Sa fille m'écoute. Sa fille m'envoie. Première fois d'abord. Sa fille l'envoie, elle arrive jusqu'au carrefour lycée de Makepe. Elle arrive là-bas, elle appelle, on ne décroche pas, elle appelle, on ne décroche pas, elle appelle. Après, elle se fâche. Quand je suis en train de rentrer, c'est là qu'on parle. Il dit que ouais, mamie, désolé, ouais, il n'y a pas de souci. 2 jours après, elle vient. Sa fille encore dit, à Paris là-bas, dit que maman, pas encore. Et bien, ta mère, c'est là pour celle? Non. Dès que ma mère a dit non, là, comme ça, j'ai senti qu'elle est pleine de démons, la mère, là. Sa mère arrive sur ma véranda, elle s'assoit, elle attend. Je devais commencer à construire le village. Rien, ils ne me permettent pas. Ils ne me permettent pas. Après, je sors du bureau.
Je vais dans sur la véranda. Généralement, quand les patients arrivent, ils attendent dehors sur la véranda. Il y a des chaises là-bas, ils s'asseyent. Quand l'instant où je sors de mon bureau, la mère là, elle a eu envie de pisser. Elle est partie aux toilettes. Cette histoire m'est racontée après. Hein. C'est après qu'on me dit qu'elle est partie aux toilettes. Je sors, j'arrive, je regarde, je vois le nombre de patients qu'il y a, je parle avec eux. Ok, toi, je vais te prendre après. Toi. Je finis. Je repars dans mon bureau. La femme là sort les toilettes, elle vient s'asseoir encore. Elle reste de 30 minutes, elle se fatigue. Elle part. Elle rentre en France. C'est après sa fille me dit, oh, elle est venue dans ta cour, elle a attendu même. Après, elle dit qu'elle est partie aux toilettes, qu'elle est aux toilettes, tu es sortie. Tu as refusé la recevoir. J'ai dit que maman, c'est maintenant que tu me racontes l'histoire. C'est maintenant que tu me racontes. Je ne savais pas que ta mère était là le jour où... Écoutez, ma pala, comme Élisée avait demandé que Seigneur montre-leur qui sont avec nous. Un jour, je reçois une Decepticon, elle quitte de France. Elle vient. La femme l'a fait, j'ai failli de renvoyer ma secrétaire. Je dois parler sur vos Decepticon là. Elle vient une période où je me déplace, je pars à l'étranger. Je voyageais pour 4 jours. J'arrive, on me dit que ma chérie reste là-bas. Finalement, j'appelle, j'annule. Je dis que mamie, je ne viens plus. Je dis que je ne viens plus. Quand je dis que je ne viens plus comme ça, quand elle dit que je ne viens plus, elle était déjà arrivée chez moi. Je pars le 11, elle arrive le 13. Accorde-moi environ 20 minutes, s'il te plaît. D'accord. Elle attend. Elle est restée sur place chez moi 10 jours. Pendant les 10 jours, quand j'ai annulé le plan la première fois, j'avais l'intention de rentrer. Après les 10 jours, on me dit qu'on te dit que tu ne pars pas. J'ai dit d'accord, ok, excusez-moi. Je m'assois. J'ai fait bien mon endroit bien pour m'asseoir. Il dit que je n'ai pas pour moi quelque part. Ah! J'ai fait donc le travail de la dame à distance. Le jour où la femme devait rentrer, elle commence à faire. Wow! Elle dit qu'on a même voulu. Quand on prépare la nourriture pour elle, quand mes ménagers préparaient, on lui donne la nourriture. Elle passe à s'asseoir avec elle, elle dit que mangez avec moi. Genre, elle fait comme si on a mis la poisson dans le tube pour elle. Deuxième chose, elle me parle tellement mal de mon chauffeur, de ma ménagère, de ma secrétaire. Tous les employés disent que madame, on ne voulait même pas seulement vous dire que la femme, c'est depuis qu'elle a réussi, on a des problèmes dans la maison. Elle quitte. Elle arrive dans son pays. Une semaine plus tard, elle me contacte. Oui, ta secrétaire avait voulu m'escroquer 5 000 là. Ouais, Seigneur. C'est après une semaine que tu te rappelles. Et est-ce que mes employés ont des réductions chez moi pour les produits? Tous mes employés. Elle est allée par derrière pour voir ma secrétaire pour demander de prendre les produits comme si elle achetait ça à son nom. Ma secrétaire a refusé. C'est pour ça depuis le jour-là, elle a commencé à détester ma secrétaire. Elle est à l'étranger, elle envoie l'argent à un autre de mes employés. À son nom. Elle ne me dit pas. Je reste, je vois la porte 150, elle me dit, c'est il y a une dame là. Une dame là, oui. Une dame, ton nom c'est quoi? Quand il dit le nom de la femme, il va que c'est la même personne. Elle part, elle envoie l'argent par nous. Je l'ai renvoyé à laver l'argent que par lui de remettre. Pas faire ce que tu vas avec, je ne veux pas. Elle repasse maintenant encore ça par sa copine qui l'a connectée à ce que je fais. Elle a voulu me gâter avec sa copine. Je suis tous les enfants, les petits-fils et même les arrière-petits-fils de cette femme-là. Elle a failli me gâter avec la dame. Après, comment dire que ma ménagère, c'est une vampire. Que ma ménagère. Elle m'a dit que pardon, please. Si tu as ton vampirisme dans toi, porte ça, tu cales là-bas avec.
Donc, écoutez-moi bien. Si ça passe dans votre tête, ne venez pas porter votre malchance sur moi. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de vous. Hein. Je ne vais pas me charger de vous. On m'a raconté encore l'autre comme ça. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que waouh, les esprits. Il y a eu un café, un truc. Voilà! Hey! Dans ma famille, on a une Decepticon qui manipule tout le monde. Je suis libéré du joug de cette personne. Cette personne va passer par un de mes cousins que j'aime beaucoup. Elle voit donc la tante de ce cousin qu'elle manipule. Elle lui dit que cette tante-là doit venir demander le boulot chez moi. Je me rappelle avant de mon voyage. La fille m'appelle. Oui, je suis la tante de telle personne. Je veux venir trouver le boulot chez toi. Je dis, ah bon, famille éloignée. Bon. Les amis de mes amis, je ne savais pas que ça ne veut pas dire qu'ils sont mes amis aussi. Je lui dis, ok, viens déposer ton CV, on va voir. On a fait le chassé-croisé. Le jour où je partais, c'est le. Je suis parti à 8h. Elle est venue déposer son CV à 9h. J'ai pris la vie à 8h, elle est venue déposer ça à 9h. Après ça, elle m'a relancé sur WhatsApp une fois. Ça fait des mois. C'est hier quand la chose est venue au jour. Que derrière, que si la fille, je la prenais dans l'entreprise seulement pour une journée. Derrière, elle se cachait une manipulation terrible. Je suis resté comme ça, là, j'ai dit, ma part, essayez de vous dire le nombre de fois, le nombre de personnes, le nombre d'endroits, le nombre de situations. Quand on reste dans une autre ville, on envoie quelqu'un qui est dans ta ville, qui ne te connaît même pas. Que non, les enfants m'ont parlé de toi, je veux demander le boulot chez toi. Alors qu'elle ne te dit pas le vrai motif. Qu'on l'a emmené comme ça pour faire qu'elle fasse sa caméra chez toi. Mon fils a adressé ça comme bien une fois. Vous devez savoir qui vous accompagne. Vous devez savoir qui est derrière vous. Et je vous dis, hoha, ils ne peuvent plus vous toucher. Toutes ces personnes-là sont des gens que j'ai grandi sous leurs mains. Hein. J'ai grandi dans leurs mains. Bonjour, la reine Coco. Telle personne, tu passes chez telle personne, te maltraite. Tu passes chez l'autre, on te donne ça de boire. Tu passes chez l'autre, on te donne ça de faire. Tu ne connais pas ce que tu fais. Tu es là, tu as 7 ans, non? Tu as 8 ans, tu as 10 ans. Tu connais que quoi? Au jeu de cas. Et souvent, ces personnes-là détestaient même vos mères. Les personnes-là n'aimaient pas ta mère. Tu ressembles trop à ta mère. Mouf, qu'est-ce là-bas? Parce qu'ils connaissent. Il vous dit que ce qu'il redoutait le plus sur vous, ça s'est passé. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Même le jour où tu sors dans la rue avec les sans confiance, tu ne sais même pas là où tu pars. Tu es guidé. Tu es protégé. Même le jour où tu restes là, tu dis que j'ai envie de. Il va m'aller baigner. Te voilà avec les sans confiance au quartier, tu es chez les baignés. Même là, là, on a été protégé. Alors, il y a les vampires partout. Hein? Les vampires masqués en forme de tanticone, onclicone, amiticone, esticone, baby fadaticone, père des enfanticones. Oui. Oui, vous avez les cicatrices. Non? Votre poitrine, les cicatrices, vos mains, vos fronts. Il redoutait que vos pouvoirs s'ouvrent. Je suis là pour leur dire, allez, rien pas avec moi, ça le goût. Hein. Je sais qu'ils sont abonnés sur ma page, hein. C'est ça qui me gagne sur eux. Le goût de ça.
Seigneur, qu'on te bloque. Tu finis ton bac. Tes parents veulent t'avoir en Europe. La tanticone vient. Non, 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 vous n'êtes pas en Europe. Elle est encore jeune. Elle va partir là-bas, elle va chercher les hommes. Voilà comment on te bloque. Te voilà au pays jusqu'aujourd'hui. Te voilà au pays jusqu'aujourd'hui. Te voilà au Maroc. À l'époque, là, ton père avait l'argent, non? Faut l'envoyer en Europe tôt, pourquoi? Le goût de ça. Tu vois, quand tu sais que telle personne qui t'a toujours frustré quand tu grandissais, quand tu étais en vacances chez elle, elle te tapait pour rien. Tu ne comprenais pas pourquoi elle. Elle te tapait pour rien. Tu vois le genre de grand-mère là qu'elle a. Quand tu pars chez elle en vacances, tu dis souvent à ta mère, moi, je ne vais pas partir là-bas, maman. Je ne vais pas partir. Pardon. Maman, elle n'aime pas partir chez tonton ou chez tata. Quelque chose dans ton esprit disait. Oui. Écoutez, hein. Je sais que comme elle vous dit, je ne suis pas là en votre vie pour vous. Je ne suis pas là pour vous amener au champ. Je vous amène à Dubaï, je vous amène à la Tour Eiffel. Ah oui, ça veut dire que dans les réunions familiales, dès qu'on arrive, dès qu'ils te voient, ça, là, ton cœur frappe un peu que moi, tu avais peur d'eux. Non. En partant, tu peux avec ton chapeau d'op. Tu peux avec ton bâton de commandement. Oui. Voilà, que tu seras là ménager ses enfants. Les voilà, non. Tu portes ton habit traditionnel, tu pars avec. Ils savaient que tu devais porter tes habits là depuis longtemps. Ils t'ont caché. Achète, tu portes. L'homme arrive en quoi? Ça va bien monter. Voilà, vous ne serez rien à la vie. Voilà, que tu es là au village avec ta grand-mère. Tu es la seule de la famille maintenant qui a fait le tour du monde. C'est comme ça. Écoutez, hein, le degré dans lequel vous êtes venu là, ils vont vous, ils auront peur de vous. Il y en a parmi eux que la prochaine fois vous allez les voir, non? Ils ont ça. Ils vont le respect qu'on va vous donner. Tu arrives, tout le monde dit, hey, tu es arrivé. Hey, on se baisse. C'était toujours dans vous. Ils ont voulu tuer ça depuis longtemps. Écoutez, les gens de vos familles sont méchants. Pour rien. Hein. Pas que quand il prend comme ça ton pouvoir, c'est il va faire quelque chose avec. Parce que lui-même, ça va le profiter. Mais ils ne veulent pas seulement entendre que ta mère, qui est leur petite soeur, s'est retrouvée en bain. Parce que sa fille a osé partir en bain et elle a fait les papiers de sa mère. Ça m'est venu. Oui. Quand ils vont te toiser aussi, tu vas les toiser. Dans ta voiture vitrée, avec les vitres fumées. Il y a certaines réunions familiales que tu dois envoyer seulement ta contribution. Tu n'as même pas encore parti. Attends même 3 ans avant de partir. Pardon. Attends 3 ans avant de partir à la réunion là. Pas même dans 3 ans.
Tu dois d'abord te fortifier. Tu dois d'abord te fortifier. Ils connaissent déjà que tu es en train de changer. Ils sont en train de paniquer. Ils sont en train d'essayer les dernières choses. Ils essayent le dernier truc qu'ils peuvent. Je vous dis que même l'autre là. Écoutez. Prenez ça de quelqu'un qui a le diplôme de blocage. D'ancien blocage. Oui. Souvent, les gens, ça là, ils me regardaient. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je connais faire l'argent. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis bloquée par les papiers? Pourquoi je ne suis pas mariée? Why? How? Hmm? Tu vas rester comme ça dans 6 mois. Tu vas regarder ta vie en arrière. Tu vas dire, ah. Ah. Toi, ils peuvent aussi être bien. Toi, ils peuvent aussi rester comme ça. On se moque pas de moi avec quelque chose. Mais. Écrivez, mon heure est arrivée. Écrivez. Que t'aimes coup. T'aimes coup. Moi-même, je vous y amour. Que c'est l'heure. Je vais aussi rester comme ça avec mon gars. On va enjoy. Faites un petit tour à Dubaï. En là, tu comme ça, là, comme bien. Puis. Tu n'as pas le temps de mettre certaines choses sur les statues parce que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Tu n'as pas le temps. On a enchaîné tellement de voyages, j'ai pas le temps de vous mettre ma localisation. Vraiment, je suis désolé. Mes haters. Oui. Parfois, tu dis que tu veux te marier. C'est là que tous tes ex se lèvent d'un coup. Tu crois que les ex là sortent de nulle part. Tu crois ça? Tu vas rester, tu vas voir, tu seras tellement heureuse. Souvent, tu vas te pincer un peu dans le lit comme ça là. Tu vas te le mougou. Hein? En plein mougouli, tu t'arrêtes, tu dis, bébé, attends un peu. Excusez-moi, j'ai des idées trop folles. Wow, Seigneur, moi aussi j'exagère souvent. Tu dis, chérie, attends. Tu te pinces un peu que. Tu dis, ok, continue. Oi! Yay! C'est comme si tu montais la colline tout le temps, mon frère. Tu n'arrives jamais au sommet de la colline où tu vas aussi glisser que wiou. Yay. Non, glissez aussi, vous descendez vous-même maintenant. Glissez aussi. Yay. C'est quoi? Yay. On te visse. Dès qu'on guette, on voit un peu comme ça, on te visse. On guette, on te visse. Il y en a même que vos premiers mariages, là, vous les avez invités, ils ne sont pas venus, non? Oh, elle a un fils. Certains sont venus devant vous pour gâter vos premiers mariages. Et tout cela, ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont dit, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Hey, il m'a foutu de ça. Tu glisses man. Oui. Oui.
rester comme ça, là, m'envoyer même un petit champagne, là. Un petit champagne de 500 euros. Que la maman, maintenant, prends, tu bois. Et prends, mets dans mon amour. Je ne bois pas tout. C'est tout. Donnez quand même, je ne bois pas. Je donne souvent aux autres personnes. Oui, le prix, le kit fondation au Gabon, c'est 70 000 francs, madame. Et les bracelets au Gabon. Je suis arrivé avec les bracelets. Cafou, si tu ne connais pas l'offrande à l'eau, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Tu as compris, non? C'est totalement hors de mon sujet. Aujourd'hui, je suis en train d'enjoy ma victoire sur mes ennemis. Ça me plaît. C'est sucré. J'ai le goût de ça. Et ne vous inquiétez pas, ils vous check. Ils vous check. Ils ont essayé de voir qu'il faut vous bloquer. Que j'attends le jour où on va lui dire qu'elle a les coutumes à faire au village. Elle va me chercher. Ils savent pas que toi-même, tu es devenu une fée. Que tu as le pouvoir de te mettre n'importe où sur la terre. Tu parles, la terre là se transforme comme ton village. Tu fais ça là-bas. Ils vont t'attendre longtemps. Oh. Tu vas passer au village seulement pour les enterrer eux-mêmes là. Que je l'attends. Et quoi qu'elle est arrivée. Quand les traditions vont la poursuivre. On... Écoutez. Vous n'êtes pas seulement de votre village. Vous m'avez suivi. Les bracelets, c'est quoi? Au Gabon, c'est 8 000. Certains d'entre vous avez le pouvoir. Oui, vous avez le pouvoir. Tu te mets à Washington. Tu creuses, tu casses le ciment comme ça, tu creuses un petit trou. Tu parles. Les entités de Bayangam se pointent à Washington pour toi. Ils auront honte. Non, si quelqu'un vient de France, apportez-moi les macarons. Achète la durée à l'aéroport, tu viens avec. Je vais te consulter gratuitement. Oui. Depuis que vous parlez de la durée, cela, vous m'avez jamais apporté ça, pourquoi? Vous avez quel genre de followers cela? Vous-même là, vous là. Laissez, je vais un jour prendre mon vol, j'arrive à l'aéroport, j'achète et prends encore le vol, je rentre. Quand vous vous dites que je suis parti acheter mes macarons à Paris, vous êtes comme ça, qu'elle veut nous montrer qu'elle a l'argent. Parce que quelque part, vous ne m'apportez pas les macarons. Oh Seigneur, ma passe, ça c'est une bonne idée ça. Je peux acheter les macarons, je rentre. Motif du visa. Je vais acheter mes macarons à Paris. Sounds good. 1500 euros. Ouais. Commencez à rêver. La nuit, si là, on va se retrouver dans un palais. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve le palais ensemble. Vous avez suivi, non? C'est ça votre futur. Vous avez suivi, non? Vous fumez l'argent. Vous appelez l'argent. Vous versez l'argent. Vous aspergez l'argent. Vous commandez l'argent. Agent! Oh! J'ai nommé mes chiens, j'ai oublié de nommer un agent. Oh là là! Ça veut dire qu'il me faut acheter encore une chienne. J'ai lumière, j'ai soleil, j'ai reine. Le dernier, là, je dois l'appeler agent. Agent, viens! Oui. Agent, assis. Assis. Ouais. Je vous dis, comment on fait ça dans le rêve, Seigneur, ne soyez pas surpris. Quand vous avez commencé à parler vos folies là, on vous demande qui vous apprend ça. Vous dites que c'est moi. Je parle à pleine responsabilité. Oui, au nom de Jésus. I take full responsibility.
Je suis responsable de vous rendre riche. Oui, j'assume. J'assume. Quel plaisir. On vous a menacé avant. Je vais célébrer vos mariages. Bientôt, je vais me déclarer ministre du mariage religieux. Vous allez venir, vous allez célébrer vos mariages chez moi pour partir à l'état civil. Oui. Bientôt. Mais le mariage là. God winner. Elle dit que l'esprit de gourmandise t'a fait goûter. Ça a fait ton mari à goûter. Il a... Je chasse l'esprit de gourmandise de ton mari alors. Ouais, Seigneur. Ça, c'est la meilleure Godwin, vraiment. Que l'esprit de gourmandise, c'était pas dans ton mari. Oh Seigneur Jésus, vous là. Vraiment, lumière, lumière, il est trop chou. Lumière, soleil, il est très doux. Il est si jaloux. Lumière, il aime trop. Il veut exercer sa mâchoire sur les gens. Il aime sauter sur les gens partout. Reine, elle est imposante. Apparemment, hier, elle a tapé soleil, bien même. Elle a grondé soleil, elle a tapé encore, elle a mis au-dessus. Donc, soleil la respecte maintenant. Alors qu'elle a un mois de moins qu'elle. Elle est toute petite comme ça. Mais elle ne se laisse pas faire. Mmh, il y a mes macarons. Mmh. Macaron la durée, mon frère. Mmh. Waouh, la reine Natiako, on est à une fête. On va organiser trop de fêtes. Des balles avec des diamants partout. Vous aurez des robes en diamant. Money is good, oh. Money is sweet, oh. Money is sweet, oh. Vous allez faire votre boucan, là. Et vous allez mousser un peu, là. Le boucan est bien. Vous n'aimez pas voir les gens qui font le boucan parce que vous n'avez pas l'argent pour faire le boucan. C'est pour ça que ça vous énerve. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre part d'argent. Quand quelqu'un fait sa part, tu fais ta part. Oui. Sa part t'énerve, tu ne fais pas ta part. Ouais, ouais, la reine Godwin. Bon, je vais vous laisser, hein. Mon téléphone est 2%. J'ai mis le power bank, ça ne marche. Ça ne marche pas ici. Il m'en fout de ça. Et la reine Nina, que tu, je te vois pointer devant moi avec ta jolie robe. Et je vous attends. Ok. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye. Continue les rêves. On va se voir dans les rêves. On continue les rêves. Vous savez, ce qui est bien dans le rêve, c'est que là-bas, on ne peut pas se séparer. On continue, on continue, on continue, on continue. On mange, on fait la fête. Je vous amène dans ma Bentley. Après, on part dans mon truc. Hey. Après, on passe sur mon yacht. Ah! Oh! Attendez, pardon, il faut que. J'ai envie de danser. The things you do for me. Nobody can do the miracles in my way. I never see this kind of God. Wanda, 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 Wanda. Jesus, now Jesus, now Si vous vous rappelez mes premières vidéos, je vous disais toujours que vous êtes entré dans une dimension où l'argent va sortir de vos rêves, ça va être dans la réalité.
Tu vas arrêter de voir là dans le rêve, tu te réveilles, tu fais oh. Tu te réveilles, tu fais Petit champagne. Petit macaron. Première classe. On est encore arrivé. Allez écouter Cardi B. Money. All I really wanna do is. All I really wanna do is. I got bags in the. Talk me out. I got bags in the. Bon, bye bye, bye. Tu as demandé quoi, tiens Dieu? Non, la toux là, mon frère. La toux, quand il parlait un peu comme ça, la toux. Le jour du baptême, là, vous avez vu, non? C'est le roi Georges qui a parlé, moi, j'étais pas. On va plus vous malmener, on va plus vous faire monter des ça. I need room for my legs. I need cheese for my eggs. Money. All I really want to do is money. All I really want is money. I got bags in the. Touch me, I will shoot. Bon. Martine, j'ai vu ta question 50 fois. Je ne t'ai pas répondu 50 fois. J'ai lu et j'ai ignoré 50 fois. Parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je disais. Ok.